Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paillettes et Grelinettes. Nous sommes à Terrasil, en Ariège, au pied des Pyrénées. Sur ce terrain de 74 hectares, dont 30 hectares de prairies, habitent aujourd'hui 3 moutons, 8 chevaux et 6 familles. Les familles se partagent une maison commune, le bâtiment central en pierre, qu'ils sont en train de rénover pour aussi accueillir du public. Le projet est encore tout jeune, il est né en 2019, mais il entend bien se développer pour atteindre la taille de 15 familles et aménager une partie du terrain en permaculture. On a choisi Terrasil parce que l'enfant fait partie intégrante du projet pour rapport à son statut, à ses droits et puis à la position qu'on a envers eux. Et je me sens du coup en sécurité et accompagnée dans l'éducation et dans l'accompagnement de notre fille aujourd'hui. Quand je suis devenue maman, j'ai été maman solo d'abord pendant 3 ans et je me suis trouvée souvent seule, isolée, démunie. J'avais dans l'idée, j'avais super à cœur de l'élever sans violence et en même temps, je manquais beaucoup de ressources. Et nous, on a choisi ici d'ouvrir un autre espace pour nos enfants, d'essayer un petit peu de rompre avec ce système de violence dite éducative. Ici, on décide de vivre avec d'autres parents, d'autres enfants, d'autres ressources et de se relayer parce qu'on n'est pas toujours dispo pour nos enfants. Et l'idée, c'est d'aller aussi trouver ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien, comment se réaliser pleinement soi pour ensuite pouvoir apporter un cadre épanouissant pour nos enfants. Pour nous, on est vraiment sur une philosophie du consentement. Il y a beaucoup de décisions qui sont déléguées à des rôles, donc les rôles prennent eux-mêmes la décision, éventuellement sollicitent l'avis de personnes pour prendre la décision, mais ils sont légitimés pour prendre cette décision. On ne va pas aller chercher la meilleure solution qui pour nous n'existe pas, mais par contre, on part d'une proposition de quelqu'un, et de là, on va aller sonder à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, est-ce que je consens à cette proposition ? Et si je ne consens pas, c'est que j'identifie un besoin et du coup je l'exprime pour pouvoir bonifier cette proposition mais la modifier légèrement. Et la vie en collectif aussi pour le soutien d'être parent parce qu'on était une partie seule et seule dans nos opinions, seule dans notre parentalité. Avant on n'arrivait jamais à trop se séparer d'Anouk, là des fois elle peut passer de notre fille et des fois elle peut passer des journées sans qu'on la voit et ça c'est magique, on entend rire au loin, elle revient en riant, des fois elle nous appelle, c'est... Et d'avoir d'autres parents à proximité pour nous soutenir, nous aider, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, quand par exemple on n'arrive pas à préparer des repas, des petites choses, des petites attentions, ça nous donne aussi cette force, cette énergie, cette conviction que voilà, on est dans la bonne route.